necesito más de nada ahora que me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro. Créeme, esta vez no acabará más. Chers amis, vous allez devoir continuer à être très généreux avec moi. Les secrets que je connais vous obligeront à faire ce que je vous dirai. Ah, c'est toi. Entre. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu chercher ce qui me revient. Je veux que tu me rendes mes photos. Tu veux que je te rende les photos que j'ai de toi? C'est impossible. Tu n'as pas assez d'argent pour les acheter. Et pourquoi tu viens me voir habillée comme ça? On dirait un personnage tout droit sorti d'un film d'horreur. Ouh. Je me fiche de ce que tu penses. J'ai mes raisons d'être comme je suis. Donne-moi mes photos. Allez, laisse-moi tranquille. Je ne te donnerai rien du tout. Et si tu continues à m'embêter, je montrerai ces photos à tout le monde. Tu ne peux pas me faire ça. Tu seras la risée de tous. Maintenant, va-t'en. Je pensais que nous étions amis, que c'était pour ça que nous voyagions ensemble. Parce que nous nous aimions bien, tous les deux. Non, ne dis pas de bêtises. Le fait que nous voyageons en groupe ne veut pas dire que je t'apprécie, hein? Je n'apprécie personne. En plus, vous êtes tous si médiocres que vous faites pitié. Et toi en particulier, va-t'en, tu es le pire de tous. Non seulement tu fais pitié, mais en plus tu me dégoûtes. Regarde-toi. Ne me parle pas comme ça. Tu n'as pas le droit de te moquer de moi. Tu n'es pas meilleur que moi. Donne-moi tout de suite mes photos. Tu ne sais pas de quoi je suis capable pour préserver mon secret. Ne prends pas de risques. Allez, va-t'en, laisse-moi tranquille. Je ne te donnerai rien. Tes menaces ne me font pas peur. Je sais que tu es un lâche et je sais très bien que c'est ton seul trait de caractère. Va-t'en et prépare-toi à ce qui t'attend. Ce secret que tu gardes si jalousement, tout le monde va le connaître. On se moquera de toi, et tu ne pourras plus regarder les gens en face. Je ne te laisserai pas faire. Personne ne connaîtra mon secret. Je n'en peux plus de toi, et de tes menaces. Tu ne me feras plus chanter. Je vais en finir avec toi. Tu crois que tu me fais peur? Je te l'ai dit.
Tu es un lâche, tu n'oseras jamais tirer. Tu n'as pas le cran nécessaire pour me tuer. Tu es lâche. Ah! Patricia? Patricia? Je n'aurais jamais imaginé que je me retrouverais de nouveau ici. C'est dans cette chambre que le malheur a surgi pour Maria. Patricia! 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 Patricia est morte! Hein? Oh mon Dieu! Oh non! Oh non, elle est morte! Elle est morte! Patricia est morte! Oh non, ce n'est pas possible! Patricia! Oh non, c'est pas possible! Elle est morte! Elle est morte! Madame, mon Dieu, qu'est-ce que vous avez fait? Elle est morte! Elle est morte! Oui, bien sûr qu'elle est morte! Et vous l'avez tuée! Non! Non, non, ce n'est pas moi! Non, non, ce n'est pas moi! Non, 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 ce n'est pas possible! Oh, Patricia! Patricia! Emmenez cette criminelle à l'administration! Non! Enfermez-la dans mon bureau! Mais et ensuite appelez la police! Mais non, je ne l'ai pas tuée! Je ne l'ai pas tuée! Ne le niez pas! Vous aviez l'arme du crime entre les mains! Non! Non, non, je vous jure que ce n'est pas moi! Je suis entrée ici, elle était déjà morte! Je vous le jure! Mais non. Ce n'est pas moi que vous devrez convaincre! Ce sont les autorités judiciaires! Emmenez-la! Non! Non, non, lâchez-moi! Lâchez-moi, ce n'est pas moi! Non! Je ne l'ai pas tuée! Non! Mes enfants, s'il vous plaît! Sur mes enfants, je ne l'ai pas tuée! Oh. Allez, accompagnez-moi! Vous allez témoigner lorsque la police arrivera. Et s'il vous plaît, demandez que l'on monte la garde dans cette chambre. Que personne n'entre jusqu'à ce que les policiers arrivent pour enquêter. Oui, monsieur. Maria a payé pour mon crime. Mais elle aurait dû rester en prison pour toujours. Elle n'aurait jamais dû revenir au Mexique. Depuis lors, elle s'acharne à vouloir me découvrir. Mais elle n'y arrivera jamais. J'ai souvent essayé de l'éliminer et j'ai échoué. Mais je finirai bien par y arriver. Pourquoi est-ce que vous m'avez fait venir? Vous avez des nouvelles d'Ana Rosa? Nous avons trouvé ça, c'est tout. C'est bien le sac de ma nièce. Je suis vraiment désolé, mais nous n'avons toujours pas retrouvé votre nièce. Et où avez-vous trouvé son sac à main? À l'intérieur d'un entrepôt abandonné.
n'y avait aucune trace de votre nièce. Mais comment est-elle allée là-bas ? Nous ne le savons pas. Nous supposons que c'est là-bas qu'on avait dû lui donner rendez-vous. Regardez si tout y est. Eh bien, il y a ses cartes de crédit, de l'argent en liquide. C'est pour ça que nous pensons que ça n'est pas un vol. Son portable n'y est pas. Madame, nos hommes vont continuer à la chercher. Mais je dois vous dire que vu les antécédents de cette affaire, il faut vous préparer au pire. Daniela ? Daniela ? Daniela, attends-moi. Daniela ! S'il te plaît, Daniela ! Excusez-moi. Daniela ! Annie, peut-être qu'elle n'est plus en vie, comme ils me l'ont dit, il faut que je me prépare au pire. Qu'est-ce que tu as découvert, Annie? Qu'est-ce que tu as découvert? Mais qui t'a fait du mal? Qui a pu assassiner Patricia? Je suis un imbécile. J'ai pris trop de risques. Les éléments clairs et obscurs de mon être et de mon essence, ainsi que mes parties masculines et féminines,
doivent garder un équilibre parfait pour être entièrement à ton service. Aujourd'hui, j'ai vu une chose bizarre. Quoi donc? Eh bien, je ne sais pas quoi penser. Je ne sais pas si je dois vous le dire, mais en fait, je suis allée au centre commercial et j'ai vu une femme de dos. Je ne sais pas, j'ai cru que c'était toi. Moi? Oui. Oui, je t'ai appelé, je t'ai donné ton nom, mais elle est partie en courant. Je sais pas, j'ai eu l'impression qu'elle me fuyait, qu'elle voulait se cacher, c'est très bizarre. Et elle a disparu. Je l'ai suivie et puis tout d'un coup, elle n'était plus là. Ah, c'est vraiment bizarre. Si je laissais courir mon imagination, je dirais que ça pourrait être la même femme avec qui le groom t'a confondu. C'est absurde. Cette blague est vraiment de très mauvais goût pour le moment. On dirait Demetrio, toujours obsédé par les romans de suspense. C'est vrai. Mon cher Demetrio, mon bon ami dévore compulsivement les livres de suspense. Il les achète vraiment tous dès qu'il en voit un. Je crois qu'il faudrait prendre plus au sérieux l'histoire de cette femme. Il faudrait le dire à Léonel. Je ne sais pas. Non, non, vraiment, je vous assure. Ça pourrait servir, ça pourrait... Fabiola. Non, ça peut servir. Ça peut peut-être sauver Esteban. Fabiola, mais tu es folle. En supposant que tu aies raison. Mais qu'est-ce que tu vas dire à Léonel? J'ai rencontré une femme dont je n'ai pas pu voir le visage. Mais de dos, elle ressemblait à Daniela. Et c'est peut-être la coupable. Ah, mon Dieu. S'il te plaît, Fabiola, pour une fois dans ta vie, utilise ta tête pour réfléchir. Et pas seulement pour te coiffer. Réfléchis. Fabiola... Non, 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 ce n'est pas possible. C'est vraiment impossible. Fabiola... Mais jusqu'où m'a emmené ce mensonge? Si je n'avais pas fait cette promesse... Si je n'avais pas laissé accrocher ce portrait dans ma maison... Eh bien, tout aurait été si différent. Esteban. Écoute, Esteban. Mais cette demoiselle, c'est qui? Pourquoi il y a des photos d'elle ici dans le salon, hein? Tante, elle sera la mère de mes enfants. Quoi? Et elle s'appellera Montserrat. Mais ce n'est pas Maria. Ah, j'aimerais... Écoute, je t'en prie. Maintenant, le mal est fait. Nous ne pouvons plus revenir en arrière. Pardonne-moi, mon chéri, mais je ne suis pas d'accord. Je sais. Mais c'est mieux comme ça. Mes enfants ne peuvent pas grandir sans l'image d'une mère. C'est pour ça qu'il y a ces portraits. Moi, je crois que cette histoire de portrait n'est pas ton idée, figure-toi. Pour moi, ça, c'est une idée d'Alba, hein? Eh bien, oui. Mais j'ai eu l'impression que c'était une bonne idée. J'ai donné mon accord. J'ai compris que c'était la meilleure solution pour que mes enfants sachent comment était leur mère. Et ce portrait nous évitera, du moins j'espère qu'il nous évitera, de nombreuses questions. Écoute. Sache que ça me coûte de faire ça. Mais pour mes enfants, je suis capable de tout. Et c'est vrai. Pour mes enfants, je suis capable de tout, surtout lorsqu'il s'agit de leur éviter de souffrir. Ça, c'est sûr. Excuse-moi de te donner mon avis, Bruno. Mais j'ai l'impression que tu as toujours été trop...
brusque avec Fabiola. Je ne peux pas m'en empêcher. Je ne supporte pas qu'elle dise autant de bêtises comme ça. Eh bien, ce qu'il y a aussi, c'est que nous sommes tous un peu tendus, nous sommes fatigués de tout ce qui se passe. Donne-lui une chance. Elle est partie énervée et elle n'est pas revenue, tu vois. Elle ne doit pas être bien loin. Ne t'inquiète pas. Un peu plus de café ? Garçon ! Qu'est-ce que tu fais toute seule ? Mieux vaut être seule que mal accompagnée. Ah non, je n'en peux plus, je ne supporte plus Bruno. Vous vous êtes disputée ? Comme toujours. Mais pourquoi ? Je ne sais même pas si je dois te le dire, je... Bonsoir. Lionel, ça me fait plaisir de te voir. Il faut se réunir pour organiser la défense d'Esteban. Oui, moi aussi, je te cherchais. Maria est désespérée. Nous avons besoin de trouver une piste qui nous mène vers l'assassin. Oui, nous devons étudier cette affaire ensemble. On y va ? Oui. Sois tranquille. Merci. Rebecca m'a envoyé faire des courses toute la journée. Elle ne m'a pas laissé un instant de répit dans la maison. C'est bizarre, je n'ai même pas vu Transito. Mais où est-ce qu'elle est ? Transito, tu es là ? Arnoldo ! Arnoldo, je suis enfermée ! Enfermée, pourquoi ? Eh bien parce que Rebecca m'a enfermée, parce que j'ai découvert qu'Estrella et Hector étaient enfermés dans le cellier. C'est pour ça qu'elle n'éteint pas la pompe, pour que personne ne les entende crier. Tu es certaine ? Mais oui, bien sûr. Mais n'essaye pas de les libérer, va plutôt chercher de l'aide. Je vais d'abord te sortir de là. Non, non, s'il te plaît, écoute, je vais bien. Si elle nous trouve, elle peut faire du mal à Hector et à Estrella. Écoute, va-t'en sans qu'elle s'en rende compte. Préviens le père Belisario. Je n'en peux plus de cette angoisse. Il faut que je sache comment vont mes enfants. Je ne m'attendais pas à ce que tu m'appelles, Maria. Mon père, vous avez l'air très inquiet. Je le suis, je le suis. Mais qu'est-ce qui se passe ? Maria. Dites-moi tout. Vous ne m'avez jamais menti. Il s'agit d'Estrella et d'Hector, Maria. Mais qu'est-ce qu'ont mes enfants ? Maria, il faut que tu sois forte. Non ! Non, mon Dieu ! Non, ce n'est pas possible. Non, ça ne peut pas être si grave, mon Dieu. Mes enfants ! Oh non, non, pas mes enfants ! Pas mes enfants, non ! Maria, je t'en supplie, tu dois rester calme. Non, mon père, mes enfants, ce n'est pas possible. Personne ne peut leur faire du mal, ce n'est pas possible. Nous ferons tout notre possible pour les aider. Je pars tout de suite pour Mexico. Thank you.
Arnoldo n'est pas à la maison. Oh, se serait-il rendu compte de ce qui se passait? Il faut à tout prix que je prévienne Mademoiselle Alba. Ah, nous devons être prêtes à tout, mon Dieu. Ouf, j'ai enfin réussi à me libérer de Lionel. Qu'est-ce qu'il est bête. Il ne se doute pas du tout qu'Esteban est défendu par le véritable assassin de sa mère. Mais ses avocats sont si jeunes. Je me souviens combien j'étais heureux de la mort de Luciano. Bonjour. Vous cherchez le père? Non, non, il n'est pas là. Il est dans la cour. Il m'a dit qu'il allait revenir dans un petit moment. Mais... bon, ne vous inquiétez pas. Si c'est urgent, je peux aller le chercher, si vous voulez. Je vois que vous êtes surpris, là. Je viens de m'apercevoir que je n'étais pas la personne que vous cherchiez, c'est ça? Je me rappelle bien, c'est vous qui êtes venu chercher le père Belisario l'autre jour. C'est vous qui avez tué Patricia. Bien sûr. Vous avez peur que le père Belisario appelle la police, c'est ça? Du calme. Du calme, ne vous énervez pas, s'il vous plaît. Quelle bêtise. C'est... ce que vous ne savez pas, c'est que... le père Belisario ne peut rien dire. Parce qu'il est lié par le secret de la confession. Mais je vous en prie. En plus, je ne crois pas que vous allez tirer, n'est-ce pas? Car vous ne vous risquerez pas à ce que... l'on entende le bruit du coup de feu, n'est-ce pas? Pauvre imbécile. Tout ça pour s'être jeté dans la gueule du loup. Parce que cette balle, en réalité, elle était pour le père Belisario. Il y a quelqu'un ici? Répondez. Qui est là? Il y a quelqu'un ici? S'il vous plaît, répondez. Qui est là? Parlez, répondez. Père Belisario! Cette fois, ce qui a sauvé le père, c'est l'arrivée de Rufino Sanchez. Sinon, sans son intervention, le père serait maintenant bien mort. Qu'est-ce que vous faites ici à cette heure? Tu sais très bien, Alba, ce que je suis venu faire ici à cette heure, enfin. Non, je ne le sais pas. Mais nous pourrions aller au salon. Suivez-moi, s'il vous plaît. Je pensais que tu étais allé te reposer, Arnoldo. Mais en fait, eh bien... bon, mademoiselle, je... Rebecca. Oui. Montre à Arnoldo le problème qu'il y a eu dans la buanderie, s'il te plaît. Allez. Oui, mademoiselle, bien sûr. Tu viens avec moi, Arnoldo. Je reviens tout de suite, mon père. Oui, ne t'inquiète pas, mon fils. Tout va bien. Entrez, s'il vous plaît. Allez, viens avec moi. Je viens te demander où sont Hector et Estrella. Hector? Estrella? Oui. Je n'ai aucune nouvelle des enfants, je ne les ai pas vus. Ne mens pas. Je sais très bien que tu les as enfermés dans le cellier. Je n'ai pas encore appelé la police parce que je veux te donner du temps pour réfléchir et te repentir.
Mais si tu t'y refuses, je vais tout de suite appeler la police. Tu vas voir. Vous ne ferez rien du tout. Alba. 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 Ah. Ne m'enferme pas, laisse-moi sortir. Alba. On ne peut pas l'ouvrir. Alba s'est enfermée dans sa maison comme dans une forteresse. Ah, mon Dieu. Ayez pitié de nous tous. Alba! Laisse-moi sortir, Alba! Alba! Laisse-moi sortir! Pourquoi es-tu allé chercher le père Belisario Arnoldo? Transito m'a dit que les enfants étaient enfermés dans le cellier. Quel imbécile! Mais d'où est-ce qu'elle a sorti cette idée, cette petite étourdie, enfin, bon Dieu? Non, non, mais c'est vrai, elle aussi, elle est enfermée dans sa chambre. Oh. Mais non, enfin, c'est bizarre. C'est quoi, ça? C'est fermé à clé. Transito, tu es là? Oui, je suis là! Transito, comment tu vas? Non! Ne fermez pas! Non, ne fermez pas! Ouvrez! Ne ferme pas! Merci. Mais où tu vas? Je retourne au Mexique. Finalement, je me suis rendu compte de tout le mal que m'a fait notre relation. Bruno, je n'en peux plus. Je suis fatiguée que tu me rabaisses, que tu me frappes, que tu dises que je suis stupide, imbécile et que je suis bête. Et tous les mots doux et jolis que tu emploies en parlant de moi. Adieu, Bruno. Et cet adieu est pour toujours. Au revoir.